Quartararo. Quartararo. Jochen Hahn devant David Berchecki et son Freitainer en deuxième ligne Norbert Kiss, Antonio Albacete à côté de lui, l'Espagnol qui est leader du championnat en troisième ligne Deuxièmeur et Laco, quatrième ligne Rainer Mayor, mais malheureusement maintenant on ne repartira pas pour ce groupe 1, Wojciech et Jenny. Voilà les zaterdag op Zolder één keer in die top 8 te eindigen. De race nummer 1. Later vanmiddag hebben we nog een tweede. Een tweede met een tweede marge te gaan. In dit Europese kampioenschap. En van je European Truck Racing Championship. Einde van de eerste ronde. Binnen weinig ogenblikken passage. Met David Verchecki op de tweede positie. Derde positie voor Antonio Albacete. Dat is position. De camions se sont arrêtés dans la piste. Lors du start. Le 16 s'est arrêté de Hemmler, le 21 s'est arrêté également, apparemment tous les camions ont installé des gars, apparemment tout ça pour donc c'est un environ. Mike Bonnick également s'est arrêté dans la piste. Le 19 vient de s'arrêter au premier tour également dans la piste. Le camion de Florian Orsini. Apparemment, pour le camion numéro 16 et 21, eux sont rejoints. Eh bien, on vibre parce que Jean-Pierre est à la limite et à une place et 10 tours qui sont encore à couvrir. Il y a encore pas mal de terrain dans le lièvre, mais à une place très imaginée, vous en vous, j'en viendrai être facilement en première position. Ça a quand même un grand bon. Een verwittiging, warning flag. Dat even het bordje omdraaien. Dankjewel voor 14. De wagen van José Rodríguez. Ik denk ik voor twee klimmers. Twee klimmers die om alles wat er omver kan gereden worden te noteren. Maar ze mogen het niet. En dan krijgen ze een warning flag. Mooie voorsprong van Jochen Hahn. Die gaat stevig aan de leiding. De camion nummer 20. Apparemment, au niveau des limites de la piste. Donc Jean-Pierre Blaise, avertissement. Mais par contre, pour le 11, le dernier son place des Drive Team Manager. Les camions sont bientôt passés devant nous pour le 6ème tour. Jochen Hahn, le leader, est actuellement à l'épingle. Norbert Kiss en 2ème position, Antonio Albacete. Et troisième pour le moment. Hier komt Jochen Hahn. Zesde doorkomst. Tweede positie. Derde positie voor Antonio Albacete. Dat is dan de laatste. Maar toch zo, hier is nog wel 5 tours. Zullen we het moment hebben? Ik heb mijn grondproduceer dan een FIA First Race. Rodriguez, de zevende positie van een probleem voor Jean-Pierre Blaise die voorbij aan start en finish. Dit opnieuw een warning flag voor de Noord-Zee, voor Antonio Albacete, derde in het klassement daniel. Attention Antonio, il vient de recevoir un avertissement, donc c'est plus probablement. On va devoir dépasser les limites du circuit solaire, les limites, ben c'est les lignes blanches. Et à partir du moment où on les dépasse avec les 4 roues, eh bien c'est craque dedans. Donc avertissement pour Jean-Pierre Blaise. Il n'y a pas beaucoup. Antonio Albacete, le MAN numéro 2 qui est en 3 placements, le numéro 2 Antonio Albacete. Mais attention, Antonio est toujours sous la menace du Freiliner de Adam. Cinquième, le numéro 7, le camion de Marcus Bösiger. On va voir qui détient sur cette fameuse 8ème place.